46 in college Ave, where I was raised. Spent my days counting sun rays, hella days. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monkey Tony. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 de la semaine. Et j'aimerais m'excuser pour le manque de top 10 de la semaine dernière. Faut savoir que je suis pas encore tout à fait guéri, je suis en cours de rétablissement. Et du coup, le week-end dernier, j'ai eu des lancements au pied. Du coup, j'avais pas trop la motivation de faire des vidéos, je me sentais pas très bien. Donc ne vous inquiétez pas si des fois il y a des manques de top 10, c'est tout simplement parce que je suis en cours de rétablissement et que j'ai pas trop la motivation parce que j'ai mal ou quoi que ce soit. Là, ça va mieux, donc je prépare le top 10 de cette semaine. Avant de commencer le top 10, j'aimerais aussi vous parler de mes prochains montages. Faut savoir que là, je vais bientôt atteindre les 4000 abonnés et franchement, ça me fait super plaisir. Merci à vous et merci aussi à tous ceux qui m'ont soutenu lors de mon opération. Ça me fait super plaisir et ça m'a motivé pour faire des vidéos le plus rapidement possible. Et donc, en ce qui concerne les montages, faut savoir qu'à la base, j'avais prévu un mini-tage pour les 4000 abonnés et un autre aussi pour les 4500 et un gros montage pour les 5000 abonnés. Donc déjà pour le mini-tage des 4000 abonnés, ça va être très dur. Je pense qu'il n'y en aura pas parce que j'ai perdu beaucoup de temps avec l'opération et tout le tralali là. Vu que j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai aucun stun, j'en ai 3 quoi. Donc du coup, je pourrais pas faire de mini-tâche pour les 4000. Je vais essayer d'en faire un pour les 4500. Et en ce qui concerne le montage des 5000 abonnés, je ne pourrais pas malheureusement. J'ai pas assez de temps. Faut savoir aussi que je suis 2 mois sans poser le pied. Donc je suis je vais rester 2 mois sans poser le pied. Donc c'est-à-dire que, en gros, je suis obligé de stunter allongé. Et croyez-moi, stunter allongé, c'est vraiment difficile. C'est pour ça que je vais pas trop pouvoir réaliser le montage, sachant que j'ai aussi le tintage à préparer qu'on va bientôt sortir, je l'espère. Donc voilà, je bosse à fond sur mon tintage et puis je verrai pour mon prochain montage. Donc si jamais, ce qui m'étonnerait, si jamais je ne sors pas le montage pour les 5000 abonnés, ce qui est fort possible, on va dire, et tout simplement je vous demande à vous, mes abonnés, qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour les 5000 abonnés, un truc qui demande pas beaucoup de boulot, genre, c'est-à-dire pas de montage, pas de guide non plus, parce que les guides aussi, il faut savoir que je pourrais en faire un à la rigueur, mais le montage est très long, donc j'aurais pas le temps, vu à la vitesse à laquelle mes abonnés montent, j'aurais pas le temps. Donc voilà, dites-moi ce que vous voulez, je sais pas, un truc original, je sais pas. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous voudrez pour le montage, pour les 5000 abonnés. Et puis voilà, sans plus tarder, on commence à la 10ème place. En 10ème place, nous avons Flooding qui commence à être habitué à mes top 10. Regardez le framboons qu'il va nous faire pour passer par-dessus ce panneau. C'était magnifique, bien joué à toi pour cette 10ème place. 46 in college Ave, where I was raised. En 9ème place, nous avons Torpor Stunter sur un stun qui a déjà été fait, mais pas de la même manière que lui. Regardez, il va faire un DJ slide et boum, il va prendre le bump pour atterrir en mini back hipster. C'était magnifique, bien joué à toi pour cette 9ème place. 46 in college Ave, where I was raised. En 8ème place, nous avons Cosmos Stunting qui va nous faire un wall ride. Il me semble qu'il a jamais été fait, en tout cas à mes souvenirs. Il a jamais été fait, en tout cas c'est un magnifique wall ride, bien joué à toi pour cette 8ème place. En 7ème place, un petit combo de Ambrosius, malheureusement sur un spot overuse. Regardez ce qu'il va nous faire, il va faire un as sur cette première barre et boum, il va faire un American switch pour faire un handle dans l'angle. C'était bien joué, franchement, c'est assez dur de faire ce genre de American switch. Bien joué à toi pour cette 7ème place. En 6ème place, nous avons BMX Pro, même si c'est pas vraiment un pro, lol, PTDR. Bref, regardez, il va faire un wall ride et là il va transfert en slide sur les deux roues. C'était magnifique, bien clean. Bien joué à toi pour cette 6ème place. En 5ème place, nous avons Safety qui va nous faire un wall glitch sur ce mur pour faire une précision sur ce poteau. C'est très compliqué de faire ce genre de précision, donc bien joué à toi pour cette 5ème place. Oh, the snow.
Oh, Buzz! Ah, oh, vous êtes là? Oh, désolé. En quatrième place, nous avons Shanks qui va nous faire un board et il va retransfert en As en descente. C'est un stunt impressionnant. Franchement, bien joué à toi pour cette quatrième place. En troisième place, on arrive sur le podium avec Fogg, la petite grenouille. Débat, regardez, il va faire un As et il va faire un frambus pour atterrir en reverse frame. C'était beau. Ah oui, c'était magnifique, ah, bien joué à toi. Ah, bien joué, c'était beau. Ah bah oui, ah, c'était beau. En deuxième place, nous retrouvons Spild, le petit poisson vert, jaune ou rouge, comme vous voulez, on s'en bat les steaks. Hein. Regardez ce qu'il va nous faire, il va sauter d'ici pour faire un magnifique cog en descente et il va transfert en side ride. Donc le spot est assez connu, mais le stunt n'a jamais été fait, donc je trouvais ça assez original, donc je l'ai classé deuxième. Bien joué à toi pour cette deuxième place. Et le gagnant de cette semaine, c'est Wader 9. Donc je sais pas si pour vous il mérite la première place, mais moi j'ai trouvé ça tellement précis. Regardez ce qu'il va nous faire. Il va faire un wall ride les plus précis que j'ai jamais vu sur GTA. Regardez, boum. Et en plus de ça, il va enchaîner un board. C'était magnifique, franchement. Donc voilà, après... Je sais pas votre avis, mais pour moi il mérite la première place parce que le wall ride, ben, c'est le plus précis que j'ai vu sur GTA V. Regardez, je vous le remontre en ralenti. C'est vraiment un wall ride, c'est pas un side ride. Enfin, le début et après il switch un peu en side ride. Et là, boum, il enchaîne sur le board. C'est vraiment magnifique. Bien joué à toi pour cette première place. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce top 10, j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros like, un commentaire et pourquoi pas à partager la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour toujours plus de TT, et oui, les TT, voilà. Et donc on se retrouve pour le prochain top 10 de la semaine prochaine, si tout se passe bien, n'hésitez pas à m'envoyer vos clips en non répertorié YouTube, donc soit par message privé YouTube de préférence, hein. Je préfère quand même regarder mes messages privés YouTube. Ou alors, si vraiment vous ne pouvez pas, vous pouvez me l'envoyer par mail qui s'affiche à l'écran. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis ciao tout le monde.